loue l'Éternel. You cannot tell an angel to praise God. Il a été créé, programmé. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Amen. Amen. Alors observons maintenant, tranquillement. Now let us observe quietly. Quand la maladie a frappé cet homme, when this man became ill, il s'est tourné vers Dieu pour chercher le secours. He turned towards God, asking for help. Mais quand il a commis son erreur, but when he committed his error, on lui donne le message que toi, en tout cas, tu ne seras pas touché. He was given the message that you will not be touched, mais tes enfants, but your children seront pris comme esclaves, will be taken as slaves, et iront servir le roi de Babylone comme des esclaves, and will go to serve the king of Babylon. Écoutez like slaves, la réaction du père, and listen to the reaction of the father. En tout cas, cette prophétie est bonne, and he says this prophecy is good, parce qu'elle ne va pas se passer durant ma vie, because it will not happen during my lifetime. Ça sera mes enfants qui vont payer ça. It will be my children that will pay. Et il ferme les yeux. And he closed his eyes. Il vit tranquille. And lived peacefully. Amen. Amen. Vous comprenez, hein? Do you understand? Vous avez des enfants. You have children. Vous avez la famille. You have a family. On te dit que toi tu seras heureux, mais ton fils lui sera malheureux. They tell you that you will be happy, but your son, he will be not. Soyons humains d'abord. Let us be human. Qui va se réjouir de ça? Who will rejoice for that? Amen. Amen. Qui va se réjouir de ça? Who will rejoice? Quand il s'agissait de lui-même, when it came his case, il a fait de grandes prières. He did great parce prayers. Que Ézéchias devait mourir de cette because maladie. Ezekiel was to die. Mais par sa prière, Dieu a changé. But because of his prayer, God changed. Mais on lui dit, tes enfants seront esclaves. And now they're telling him his children will be slaves. Aucune prière. And no prayer. Mais il avait le pouvoir de prier et changer la destinée de ses enfants à son absence. But he had the power to pray and change the destiny of his children despite his presence. Ce n'est pas moi, ce sont mes enfants. And he says, this is not me, it's my children. Ils peuvent aller où ils veulent. They can go where they please. Ça, c'est exactement la sorcellerie made in Africa. And that is exactly sorcery made in Africa. Amen. Amen. Les enfants, ils peuvent crever. Children can ils peuvent être des esclaves, ça c'est pas mon problème. And be slaves. That's mais not moi my je problem. Voudrais d'abord danser ma rumba, faire oh God of mercy. But I want to dance all these dances and do all sorts of things. Mon plaisir je vais le prendre. My après. Pleasure, I will take it. Mais mes enfants c'est leur problème. But my children, that's their problem. Ça c'est un gros problème pour un homme qui va mourir. A huge problem for a man who is about to die. Et il sait le sort de ses enfants, ils seront des esclaves, ils seront maltraités, ils n'auront aucune valeur. Il dit ça c'est pas mon problème. And he knows the future of his children, that they will be slaves and that they will suffer. He says that's not his problem. Que Dieu nous vienne en aide. May the Lord come to our aid. Amen. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur. So beloved in the Lord. Le fait d'avoir un enfant. The fact of having one child. Ce n'est pas un jeu. It's not a game. C'est une responsabilité que Dieu donne à chacun d'entre nous. It is a responsibility that God has given to each of us. Tout homme qui a un enfant. All men that have children. Toute femme qui a un enfant. All women that have children. Doit cesser désormais de vivre pour lui-même. Il doit préparer l'avenir de cet enfant. Amen. They must cease to live for themselves. Must prepare the future for this child. C'est ça le principe de la vie. This is the principle of life. Amen. Amen. Vous devez cesser d'être égoïste dans vos actions vis-à-vis de vos enfants. You must cease to be egoistic in your own beings. Pourquoi auras-tu des montres en or qui peuvent être volées dans un métro au lieu d'investir pour le devenir de tes enfants? Pourquoi? Why will you buy a gold watch that can be stolen in a metro instead of investing in your children? C'est pas mauvais d'avoir une montre en or. It's not bad to have a gold watch. Mais peut-être il faut l'enregistrer, il faut mettre dans un coffre dans une banque pour que ta mort, tes enfants puissent en profiter. But maybe vous you mourrez, should vos montres partent. Keep it in the safe so that when you pass, your children can inherit this. But when you die, all of this is gone. L'argent que vous gagnez chaque jour, ça sert à quoi? Est-ce qu'il y a un projet pour vos enfants? The money that you gain each day, what is it for if you have no plan for your children? Écoutez bien aimé. Beloved in the Lord. Les églises parlent de la prospérité, la prospérité. Dieu peut te donner la prospérité si tu ne sais pas la gérer. Tu ne seras jamais prospère, ce n'est pas la faute de Dieu. The church continues to speak on prosperity and prosperity, but God can give you prosperity if you do not know how to guard it. That you'll never be prosperous, and that has nothing to do with God. Amen. Amen. Nous devons regarder ces choses. We must look at these things. Nous ne faisons pas des enfants comme les poules font des poussins.
We do not make children like chickens make chicks. Nous faisons des enfants pour leur assurer un avenir meilleur. But we have children so that we can assure them a better future. Nous avons des nations où on critique les blancs. Oh, et ils prennent tout. Ils ne nous laissent rien. Ils ne vous laissent rien. Oh, qui ne vous laisse rien? Vous n'avez aucun projet de l'avenir. There are nations that we criticize the whites because they've taken everything from us. They have not taken everything from us. You have no project or plan for anything. Leurs enfants naissent, ils savent, ils deviendront qui? Their children are born and they already know who their children are going to become. Mais nos enfants naissent pourquoi? But why are our children born? Amen. Amen. Et on est content. And we're happy. On fait des enfants. We make children. Ils ont tous les jouets. They have all the ils toys. Ils ont des télévisions. All the TVs. Des voitures. A car. Le garage est plein de jouets. The garage is full of toys. Et l'enfant ne sait ni même pas d'où ça vient. And the children doesn't even comment know where that comes from. How to take care of them. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit hier à l'hôpital. Someone told me yesterday at the hospital. Lorsque je vais acheter un cadeau à ma fille. When I buy my daughter a gift. Ma fille me dit ceci. My daughter tells me this. Non, a gift over $10, daddy. Pas de cadeau au-delà de $10, papa. Do not buy me a gift more than $10. We have to save money for the future. Un enfant qui dit ça à ses parents. A child that tells his parents this. J'ai écouté une émission de européen. I heard a episode European. Oui, disent qu'ils enseignent leurs enfants. Where they said they teach their children. Acheter des cadeaux. To buy gifts. Mais les cadeaux moins chers. But inexpensive gifts. Pourquoi? Why? Parce que les cadeaux un enfant n'en a besoin que pour une ou deux semaines. But because a gift a child only needs for 2 or 3 weeks. Après ils vont jeter. After that they're going to throw them out. C'est perte d'argent. And it is losing money. Amen. Amen. Vous comprenez? Do you understand? Et au moins ils enseignent leurs enfants la valeur de l'argent. At least they're teaching their child the value of money. Que Dieu nous bénisse. May the Lord come to our aid. On n'est pas parents par hasard. We're not parents just because. Nous sommes parents parce qu'il y a une mission. We are parents because there is a mission. Nous laissons la télévision éduquer nos enfants. We let the television educate our children. C'est que l'on appelle dans les termes techniques l'éducation diffuse. Nos enfants sont le résultat de la télévision. And that's what we call our children being a result of the education on TV. Lorsque l'enfant se lève contre son père, il est... Je ne peux pas dire des mots qui ne conviennent pas ici à l'altar, mais l'enfant dit des gros mots à son papa. Où est-ce qu'il a eu ça? Il a eu ça à la télévision. Faut pas lui même pas frapper l'enfant. C'est toi qui lui as donné ça. When a child is angered by their parents, they start using bad language. And where have they learned this from? From the television. You should not even be mad at your child because you are the cause. Aujourd'hui, il y a des films et des enfants qui battent leurs parents. Today there are movies of children fighting their parents. Il y a des films où on voit l'enfant frapper sa maman. Movies where we see children hitting on their mom. La loi a été adoptée. The law has been adopted. Que dans tout film il faut signaler qu'ici il y a des paroles fortes, il y a de la nudité, tout ça, tous les films, il y a la loi qui est dessus. There is a law that puts discretion on each movie. Mais qui regarde ce truc? Who watches that? Personne. No one. Mon enfant est heureux. My child is mon happy. Enfant est devant my child is ton happy. Heureux là de ton enfant, demain ça sera ton enfer. That happiness of your child tomorrow will be your hell. Comment les personnes les plus importantes comme le président de ce pays ne laissent ses enfants devant l'ordinateur, la télévision, la majorité du temps, c'est 2 heures par jour. How is it that even great leaders of this country only allow their children 2 hours the most? Le reste du temps, c'est les études, c'est la formation, c'est les visites, c'est le jardinage. Les enfants apprennent à devenir quelqu'un. The rest of the time, they spend on tutoring and teaching so that their child may become better tomorrow. Celui qui ne travaille pas son présent, il n'aura pas un avenir meilleur. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la formule même du monde. Même sans Dieu, tu ne travailles pas ton présent, n'espère pas le futur. The one who does not work on their present, do not hope for a future. May the Lord come to our aid. Alors, l'intention de cet homme, the intention of this man, est très triste. It's very sad. Que Dieu nous vienne en aide. May the Lord come to our aid. Dans cette assemblée. In this assembly. Et pour nous-mêmes. And for ourselves. Et pour nos enfants. And for our children. Nous devons travailler dur aujourd'hui. We must work hard today. Pour que leur demain leur soit assuré. So that their tomorrow can be assured. Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Ça, c'est l'aspect matériel.
matériel des choses. This is the material aspect of Deuxième passage dans Luc. Second passage in Luke. Je demande à mon fils de le lire. I'm going to ask my son to read. Luc chapitre 16, versets 26 à 28 dit ceci. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils écoutent. » Alléluia. Amen. Ça, c'est l'aspect spirituel. That is the spiritual aspect. Cet homme était très riche. This man was very rich. Cet homme n'a pas négligé ses frères. And he had never neglected his brothers. N'a pas négligé sa famille. Not neglected his family. Sa famille était bien équipée. His family was very well equipped. Chacun avait une maison. Everyone had a home. Éventuellement, chacun avait un chariot. And everyone had their own chariot. Amen. Amen. Lui, il connaissait Dieu. He knew God. Il était ce qu'on appelle homme charnel. He was what we call men of the flesh. Il allait à l'église. He went to church. Ce sont les hommes charnels. Ils viennent à l'église. These are men of flesh. They come Ils to church. Ils sont très très forts dans la dîme. Very very strong in tithing. Ils donnent les offrandes. En tout cas, les chrétiens charnels, eux, ils sont bien dans la dîme et les offrandes. Ils donnent cela. Ils donnent vraiment. Christians of the flesh, we can say that they really give. They know how to give. Ils donnent. They give. Ils visitent les pasteurs. They visit the pastor. D'ailleurs, ce sont eux qui envoient chaque semaine des cadeaux au pasteur. And oftentimes it is them that always sends gifts to Mais the pastor. Mais toutes ces choses-là. But above all this. Ne vous amène pas à Dieu. Does not bring you closer to la God. La chose qui nous amène à Dieu, c'est la foi et l'obéissance à sa parole. The thing that brings us to God is faith and obedience of His word. Une vie qui matche la volonté de Dieu. A life that matches the will of God. L'église, ce n'est pas une affaire d'homme à homme. C'est une affaire d'homme à Dieu. Church is not a business from men to men, but business of men to God. Cherche à plaire les pasteurs comme tu veux. C'est ton problème. Ce n'est pas un mauvais choix. Mais si tu as négligé Dieu, mon frère, ma soeur, il n'y a aucune récompense. Il n'y a aucun avenir pour toi. You can live to take care of the pastor, and that's not bad. But if you have neglected God, then, beloved, that is a problem. La foi chrétienne, c'est une affaire de l'homme et de son Dieu. The Christian faith is business of man and his God. Amen. 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 Alors, cet homme riche. So this rich man. Est mort. Died. Vous avez lu le message? Did you read the message? C'est Jésus seul qui pouvait nous parler de ça parce qu'il est Dieu. Il connaît l'histoire. Et ici, bien aimé, ce n'est pas une parabole. Ne prenez jamais l'histoire de Lazare et de l'homme riche comme une parabole. C'était une histoire vraie. Beloved, here, as you can see, only Jesus Christ could speak to us about this because he knew what happened. Never take the story of Lazarus and the rich man as just a story because it is in all reality a true one. Amen. Amen. Après sa mort, after his death, il va voir Lazare dans le sein d'Abraham. He saw Lazarus in the breast of Abraham. Et lui, il était tourmenté. And he was tormented. Beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas d'enfer. A lot of people said that there is no hell. Amen. Amen. Beaucoup d'Américains ne savent pas que le Gabon existe. A lot of Americans do not know that Gabon exists. Vous pouvez discuter, Gabon existe à un Américain. Il dit non, c'est juste Africa. There is no Gabon. You can argue back and forth with them and they will deny that there is such a place. Ce n'est pas parce qu'ils nient qu'il n'y a pas Gabon que Gabon n'est pas là. Gabon est bel et bien. It's not because they deny that it doesn't exist. It is there. L'église aujourd'hui, on essaie d'enlever l'enfer. The Church of God today tries to take away that hell exists. La guérison. Healing. La prospérité. Prosperity. Le bonheur. Goodness. On prend l'enfer, on cache. And we take hell and we hide it. Il y a l'enfer. Amen. There is a hell. Amen. Il y a l'enfer. There is a hell. Il y a le jugement. There is judgment. Comme aujourd'hui. Like today. Nous sommes séparés les riches avec les pauvres. Là, dans notre monde, il y aura séparation des croyants. Et des incroyants. As we are separated here today by rich and poor, there will also be separation of believers and non-believers.
Alors cet homme, il va réaliser. So this man realizes. Écoutez, il va réaliser. He will realize. Il avait fait une bêtise dans sa vie. That he had committed an error in his life. Il n'a pas parlé de sa foi aux membres de sa famille. He never spoke about his faith to the members of his il family. Il avait 5 frères. He had 5 brothers. Il dit, oh, Père Abraham. And he says, Abraham, Father pardon. Abraham, forgive me. Tu ne peux pas envoyer Lazare? You cannot send Lazarus. Parce que j'ai laissé 5 frères sur la terre. Because I have left 5 brothers on qui earth. Qui ne connaissent pas cette réalité? Who do not know this reality? Et le Père Abraham va répondre. And Father Abraham replied. Ben non. No. Ils ont Moïse et le prophète qu'ils attendent. They have Moses and the prophets. Qui les écoute? They are waiting and they are mais s'ils si écoutent pas, c'est leur problème. But if they do not listen, then that's their problem. Amen. Amen. Que Dieu nous vienne. May the Lord come to our aid. C'est trop tard. It's too late. Vous savez que lorsque nous mourons, you know when we die, nous devenons ce que l'on appelle la conscience complète. We become what we call the complete conscience. Nous connaissons tout. We know everything. Nous pouvons être partout. We can be everywhere. Exactement comme Dieu. Exactly like God. Parce que l'esprit n'a pas de limite. Because the spirit does not have a limit. Alors il se rend compte, mais c'est en retard. But he came too, but it was too late. C'était en retard. Too late. Est-ce qu'on ne peut pas envoyer Lazare sur la terre pour parler à mes frères? Can you not send Lazarus on earth to speak to my brothers? Si vous lisez le récit, if you read the rest, cet homme va insister. This man insisted. Non, non, je voudrais que Lazare parte parce que tout le monde sait que Lazare était mort. S'il revient à la vie, ils vont vraiment accepter que l'affaire existe. I really want Lazarus to be the one to go because everyone knows that he died, and if he goes back on earth, then they will know that hell does exist. Ce que j'aime, c'est cet homme riche. What I love is this rich man. Lui-même était en enfer. Himself was in hell. Mais il a prié de l'enfer pour que sa famille ne vienne pas en enfer. But he prayed from hell so that his family may not come to hell. Il était toujours avec ses membres de famille. He was always with the members ils of his family. Ils mangeaient ensemble. They were eating ils together. Ils dansaient ensemble. Dancing ils together. Ils fêtaient ensemble. Partying ils achetaient ensemble. Buying ils together. Vendaient ensemble. Selling mais together. Mais en enfer, il dit non, je préfère rester seul. He says he rather that he remains in hell alone and his family goes to paradise. In Romans, Paul va dire la même chose. Paul says the same thing. Je préfère moi perdre le salut pour que ma famille puisse être sauvée. Alléluia. I'd rather that I lose my salvation so that my family can be saved. Mais nous n'avons aucun souci de nos membres de famille. We have no sorrow for the members of our family. Jésus devient comme une amulette, comme un gris-gris. C'est mon Jésus, chacun pour soi. God becomes like our own little thing, saying, this is my Jesus, everyone his own. Amen. 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 Vous savez les problèmes de nos familles, nous chrétiens. Do you know the problem with our families? De nos familles biologiques. With our biological families. Comment nous les réglons? How much we rule them. Je vais donner un exemple. I'll give an example. Un frère de Nazareth t'appelle. A brother of Nazareth calls you. Allô, mon frère. He says, hello, my j'ai brother. J'ai un problème. I have a problem. Oh, prions. Let us pray. Prions même là au téléphone. La main de Let Dieu n'est pas écoute. Prions. Over the phone. The mon God Dieu. Is not short. Oh, mon Dieu. Oh, my God. Aide-le. My God, soutiens-le. Sois là. Be there. Mais quand c'est ta sœur qui t'appelle. But when it is your own sister. Ça fait 2 jours qu'on ne mange pas. It's been 2 days since we've eaten. Chérie, on doit envoyer l'argent au pays, hein? We have to send attends, money attends, to je vais envoyer. Hold on, I'll send. Je vais t'envoyer le code. I will send you the code. Je vais... Mais tu vas te battre pour chercher le code de l'école. Beaucoup sont morts hein, sur le chemin de West Union a recherché le code. Ils sont morts accidentellement sans envoyer l'argent au pays. A lot have died on their way to make a Western Union, never able to send money. Mais pourquoi n'est pas quand vos frères, vos sœurs sont dans les problèmes, c'est le moment de dire, oh ma sœur, au téléphone, attends. Why is it that your own flesh, when they call you, not to say, hold on my sister. Dieu va trouver une solution. God will find a solution. Priez ensemble. Let us pray together. Je sais que beaucoup de frères n'aiment pas Dieu, que Dieu va trouver une solution. Mais toi, tu es en Europe, c'est toi qui peux donner la solution. And a lot may not respect that. They may say, you're the one in Europe. You're the one who can give us the solution. La Bible dit, the Bible says, malheur à celui qui se confie en. Pity be to the one who confides in self. And this is the truth. Quand tu laisses ta famille, when you let se confier your family en toi, confide themselves selon in you, ce verset,
According to ta that, famille sera toujours malheureuse. Your family will always be not happy or miserable. Très bien, maman. C'est miserable. C'est miserable, ça c'est le vrai. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, c'est lui qui se confie en l'homme est maudit. Because the Bible says the one who confides in man is cursed. Ce n'est pas mauvais d'aider la famille. Il faut aider nos familles. It is not bad to help our families. We Mais must nous devons leur présenter le meilleur d'abord. But we must present to them the best first. Ne donne pas à ton frère en disant je te donne. Dis Dieu me bénit afin de te donner. Si ce n'était pas Dieu, je ne pourrais pas t'envoyer ces codes. Mettez ça, s'il vous plaît. Hallelujah. I tell your brother that if it was not for God, I would not be able to send you this Western Union. Put that in your word. Et donner. And then give. Mais en nom de Jésus. But in the name of Jesus Christ. Pourquoi on vous mange? Pourquoi on nous mange nous en Afrique? Parce qu'ils savent que c'est nous qui avons. Why are we being sacrificed in Africa? Because they know that we are the ones who have. Si vous leur dites que nous n'avons pas, mais c'est Dieu qui nous a donné pour vous donner, alors ils penseront c'est Dieu. If you tell them that it is not me that is giving, but God that is giving to you, then they will look for this kind. Ce riche va se soucier de sa famille. A rich man will be in sorrow for his family. Mais c'était trop tard. But it was too late. C'était trop tard. It was too late. Amen. Amen. Qui d'entre nous qui ne mourra pas ici? Who among us here will not die? Qui connaît sa date de la mort? Who knows the date of their death? Celui qui connaît la date de sa mort, en tout cas, il peut danser parce qu'il sait qu'il reste encore 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tu peux danser. Mais comme la mort vient sans avertir, bien aimé, chaque seconde est importante. Beloved, the one who knows the date of his death, he can dance and say, I still have 15, 20, or 30 years. But since death comes without any warning, chaque seconde est importante. Every second is important. Amen. Amen. J'avais lu une histoire. I read a story of an American who had worked a long time. Il est allé à la retraite. He went to retirement. Et il a joué à la loterie. And played the lottery. Beaucoup de gens, il y a certaines personnes qui jouent à la loterie. There are a lot of people among us who played the lottery. Je vais vous dire d'abord. I'm going to tell you first. La meilleure loterie, c'est donner ta dîme et te donner tes offrandes. The best lottery is to give your tithes and your offerings. Là, il y a une garantie. There you have a guarantee. Il a joué sa loterie. He played his lottery. Vous savez ce qu'il a gagné? Do you know what he won? C'est le premier américain, le premier gain historique des États-Unis. 445 millions de dollars américains. He won about $445 million. Il est parti amener son ticket. He went to present his On ticket. On appelle le ticket gagnant. And they call it the winning ticket. On lui a remis. And they gave him back. Et le monsieur de la boutique. And the man of the shop. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec les 445 millions? And says, what are you going to do with $445 million? Mon frère. He says, my brother. J'ai ma voiture de rêve. I have my dream car. Je veux commencer par acheter ma voiture de... Loue l'Éternel. You cannot tell an angel to praise God. Il a été créé, programmé pour louer l'Éternel.